retour à la maison. Mon séjour à la maison Jean Lapointe. Je suis sorti du métro et j'étais inquiet de me diriger vers ce qui allait me sauver, que je me disais titubant, mais j'y croyais, malgré mes peurs. Finalement, j'y suis arrivé. J'ai monté les marches, chancelant, avec tout comme bagage, un sac toute ma vie. On m'a accueilli souri, chaleureusement. Alors, en sécurité bien, je me suis senti. J'ai ouvert mon cœur, l'ai laissé parler. Il en avait long à dire, lui toujours muet. Il n'y avait que l'alcool qu'il avait avant délié. Maintenant, ça changerait. Plus personne le tairait. Par moments, ce fut long, ardu, fastidieux. Les peurs, la honte, les regrets, le ressentiment. On m'a appris à comprendre mon passé odieux et à croire en une vie meilleure, à mon rétablissement. Ce jour-là où j'ai marché vers mon retour, retour à la vie, à moi, à ce que je serai, ce fut sûrement un de mes plus beaux détours. Moi, qui ne faisais que fuir, maintenant j'affrontais. La réalité qui était devenue ma vie, un calvaire. Et je n'oublierai jamais ce jour où tout changea, où j'admis mon impuissance face à cet enfer. Maintenant, je ne connaîtrai que le bonheur, la joie.